Eh bien bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Kirito Knight 064 pour la suite de votre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Pour le 96e, oui, on a laissé l'épisode précédent en plan avec pas mal de quêtes en cours, donc je rappelle déjà qu'on cherche un chasseur de trésors, d'une part, qu'on a été chasser des petites bestioles pour récupérer du liège, pour faire des bouchons pour un vignoble, un vigneron un peu caractériel, un peu compliqué. Apparemment le maître des lieux de la ville de Port-au-Vin. Voilà. Si j'ai bien compris, on doit aussi abattre des raptors pour sécuriser un petit peu les alentours de la ville de Port-au-Vin. Et il me manque un truc. Je sais même pas si j'ai pris la quête principale en fait. Mais enfin. Donc déjà, on va commencer par abattre les raptors et sécuriser la ville. À commencer par toi. Et je vois qu'on a une base impériale au loin. Je suis pas spécialement tranquille. Ok, un raptor sur quatre. Allez, sale bestiole. Il y a de l'orage qui se prépare. Genre de quête typiquement FedEx dont tu te passerais bien. Va falloir que je songe à arrêter d'en faire dans le Let's Play peut-être. Se concentrer vraiment sur la trame principale. Parce que c'est déjà un Let's Play qui risque de durer des plombes. Alors si en plus je fais les quêtes FedEx, on n'a pas fini. Là il est en dernier raptor. Est-ce qu'on fait une petite visite dans le castrum ou est-ce qu'on se fait déglinguer après? J'ai envie de faire le curieux. Ouais, d'accord. Son niveau est en train de me refroidir royalement. Niveau 49. On va sortir à l'arcaniste. Hein. Comme ça, je devrais pouvoir passer sans problème. L'arcaniste est de niveau 60, donc déjà je devrais pas avoir de problème pour circuler dans la zone. Voilà, on va dégager le passage.
Ok. On arrive au niveau du castrum, on y arrive. C'est bon, c'est bon. Castrum Occidens. Ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer. De toute façon, on risque sûrement d'y aller avec le scénario principal. Tu m'attaques pas? La différence de niveau est peut-être trop élevée pour qu'il m'attaque. C'est pas impossible. Bon, on va pas trop s'attarder parce que bon, il faut encore qu'on s'occupe de toutes ces quêtes. Ici, ils ont pas repop. Ah, si, lui vient de repop à l'instant. Hop là, coucou! Bon, qu'importe. Laissons-les tranquilles, on a des choses à faire. Pourquoi? Pourquoi je peux pas reprendre ma classe de gladiateur? On m'explique. Voilà, c'est bon. C'est pas très beau par ici. Mais on n'y est jamais allé ici, c'est une nouvelle zone. Ah! Génial! Il y a déjà de rage chez moi, mais il y en a en plus dans le jeu. Bon, c'est magique. Aïe. Je vois qu'il y a une ville, une sorte de village, toujours. Une sorte de village un peu plus loin. Bon, et notre chasseur de trésors, il est ici. Haha, tu arrives au bon moment, ma jeune amie. Toi aussi, tu veux devenir chasseuse de trésors, pas vrai ? Je le lis dans tes yeux. Regarde là-bas. Tu vois ce magnifique coffre? C'est moi, le grand, l'unique Eadwin, qui l'a découvert. Toi aussi, je suis sûr que ce parfum de mystère, cette atmosphère de légende t'enivre. Il y a comme une attraction qui s'exerce autour de ce fabuleux objet de toutes les convoitises. Je meurs d'envie d'aller ouvrir ce coffre, mais comme tu sembles vouloir faire tes premiers pas dans cette merveilleuse activité qu'est la mienne, c'est avec plaisir que je te laisse cet honneur. T'es bizarre, toi. Sa tête me rappelle quelqu'un. Ah, quelle générosité, quelle magnanimité. Y a-t-il des chasseurs de trésors plus charmants et sympathiques que moi, le grand Eadwin? Je me trouve tellement beau dans ces moments que j'en suis presque jaloux de moi-même. Sancred, sors de ce corps. Bien sûr, le contenu de ce coffre m'appartient. Mais tu as la chance d'inscrire ton nom dans l'histoire en l'ouvrant. N'aie crainte, il n'y a pas de monstre dedans.
Allez, ne perds pas un instant de plus, ma jeune apprentie. Ouais, y a pas de monstre, mais y a un aléa à côté, au moins. Oi, oi, oi. Quoi? On a dit qu'il y avait pas de monstre. Qu'est-ce que... Oula, oula, ma cache. Attention aux zones. Et ils sont de taille, ces raptors, en plus. Tout va bien, sors des zones, reste pas dans le orange. Et après on dit qu'il faut rester immobile et pas bouger. Eh ben. Arrière. Sale bestiole. Et où tu sors toi? La barre de vie, surveille la barre de vie. Tout va bien se passer, il bouge plus. Pardon. Wouh, 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 wouh. Et oula, il y en a deux. Wouh. Oulala. Là là. Gentil. Gentil, pélican. Oui, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Tant que tu serves à quelque chose, Shadow. Shadow, Shadow, le chocobo. Ce fut laborieux. N'aie crainte, il n'y a pas de monstre dans le coffre. Allez, ne perds pas un instant de plus. Ma jeune apprentie, va l'ouvrir. Non, il n'y en a peut-être pas dans le coffre, mais ils sont tous arrivés. Et ah, il faudrait peut-être que je prenne le coffre, non? Boulet. Dis donc, il est long à ouvrir. J'ai obtenu une fiole brisée et une bourse de pièces. Et pourquoi il est rouge? Vous devez remplir les conditions suivantes pour terminer cette quête. Sans déconner. Sans déconner. Merci l'arcaniste. Que dis-tu? De vilains monstres dentus et baveux t'ont attaqué quand tu as ouvert ce coffre? C'est la première fois que ça arrive. Crois-moi, bien que je ne m'en serais chargé personnellement, et je n'aurais fait qu'une bouchée de ces sales bêtes avec mon fidèle pistolet si j'avais su, je regrette presque de ne pas avoir pu les corriger moi-même. Tiens, ta bourse et ta fiole. Qu'est-ce que c'est que cette fiole? Elle était à côté du coffre? Ah, je sais! Elle faisait partie du mécanisme qui le protégeait. En forçant
en forcer l'ouverture, la briser, libérant ainsi une odeur qui attirait les monstres. C'était donc un piège. Et elle n'a aucune valeur. Le vrai trésor, c'était ces quelques pièces de monnaie. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, ce n'est pas pour autant que je vais te les laisser. Si tu veux ton propre trésor, tu n'as qu'à commencer par obtenir une vieille carte toi-même. On en trouve cachée un peu partout en Eorzea, mais ne crois pas que ce soit aussi simple. Oh que non, car elles sont généralement codées, et une amatrice comme toi ne saura certainement pas les déchiffrer. Ceci dit, comme je t'ai laissé ouvrir ce coffre piégé, je vais t'apprendre mon secret pour lire ces cartes au trésor et déterrer ce qui est enfoui sous terre. Je te dois bien ça, après tout. Il s'agit de deux compétences fantastiques que j'ai développées au cours de nombreuses années d'expérience et auxquelles j'ai donné les noms originaux de déchiffrage et excavation. Réjouis-toi donc, car dorénavant toi aussi, tu peux suivre les traces du magnifique, que dis-je, de l'illustrissime chasseur de trésors, Eldwyn. Mais tu ne pourras sans doute pas me dépasser. Voilà. Mais qu'est-ce qui déconne? Encore des piécettes. Maman va encore m'étrangler si elle apprend que je n'ai rien trouvé d'utile. J'entends déjà me dire de chercher un travail plus convenable. Bon, et merci pour le cours. Nous avons appris les bases de la chasse au trésor. Une bonne idée si on retournait à Port-au-Vin. Voyons, elles sont là, les compétences en question. Vous ne pouvez pas posséder pas de carte, ok. Vous avez la conviction qu'il n'y a pas de coffre trésor par ici. D'accord. Je comprends un petit peu l'idée de comment ça fonctionne, mais déjà, il faut trouver des cartes. Alors, je sais, de par un ami qui joue au jeu, qu'on peut les trouver dans des bouteilles, notamment, qui se trouvent à l'hôtel des ventes, mais qu'on peut tomber dessus aussi avec les métiers de récolteur. Le truc, c'est que les métiers de récolteur, ben, à part le pêcheur, on peut pas dire que je me suis amusé à les monter. Donc, à moins que j'arrive à pêcher une bouteille à la mer, je suis pas sûr d'y arriver. D'autant plus que si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il faut un bon niveau du coup dans ses compétences de récolte, et ce qui n'est clairement pas mon cas. Bon, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'il va peut-être falloir que je vous dise au revoir ici, les amis. On va lire le dernier dialogue ensemble. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser le petit pouce en l'air, ça me fera grandement plaisir. Et moi, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'était Kirito Knight 064, alias Kirito, le raton laveur noir parlant de YouTube. À très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Alors, ces morceaux de liège, ça vient? Dépêche-toi, j'ai des bouteilles qui attendent d'être remplies. Les voilà! Oui, ça fera l'affaire. Le liège est le matériau le plus communément utilisé pour les bouchons, car il est étanche, souple et poreux à l'air. Utiliser du liège de piètre qualité, c'est prendre le risque de donner au vin un arrière-goût désagréable. C'est absolument impensable pour moi. Raisin sec, on va prendre le jus de raisin. Mes félicitations, vous avez passé le test avec succès. Maintenant que je sais que vous êtes digne de confiance, Monsieur Bringlehent et moi allons pouvoir vous confier des tâches à la hauteur de vos capacités. D'accord. Bon,
À bientôt les amis. Et d'ici là, portez-vous bien. On envoie le générique.